Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul parce que cet après-midi, je suis descendue en ville donc pour faire la boutique avec ma mère. Donc voilà, donc, je vais faire magasin par magasin. Je fais pas les magasins dans l'ordre parce que je sais pas trop l'ordre. Mais voilà. Donc je vais commencer par H&M. Donc j'ai acheté deux choses. J'ai acheté quelque chose de magnifique. C'est mon... C'est ce... ce gilet Bordeaux. J'espère que vous voyez les couleurs, je ne sais pas du tout. Voilà, il est trop beau. L'intérieur est vraiment tout doux. Il m'a coûté 19,95 €. Et donc j'ai pris en taille S. Donc voilà, il est super bien taillé. Voilà. Tout simplement. Et après, j'ai pris une petite pochette comme ça. Donc noire, avec des trous, enfin, des petits points. Ça, avec une grosse... comme ça, qui m'a coûté 2,95 €. Donc voilà, ça valait le coup de la prendre. Et c'est tout pour ce magasin. Ensuite, je suis allée à Kiko. Enfin, c'était le premier magasin, mais bon. Je suis allée à Kiko. Et donc, j'ai acheté plusieurs choses. J'ai acheté 4 choses. Premièrement, j'ai acheté un vernis. Donc c'est le vernis orange, donc c'est le 357. Ensuite, je me suis acheté un rouge à lèvres. Donc c'est ceux qui sont comme ça, donc avec le bouton au-dessus là. Donc de cette couleur, parce qu'il y en a plusieurs avec du même packaging, mais pas de la même couleur. Donc c'est celui-là. C'est la teinte 613. Et... donc on fait comme ça. Et voilà la couleur. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas du tout. Je m'en rends compte. Voilà la couleur. Donc je l'ai sur les lèvres. Même si je l'ai mis il y a un peu longtemps. Donc voilà. Donc voilà. Je trouve trop classe ce packaging. Ensuite, je me suis acheté un blush. Donc en fait, pour vous raconter le truc, je savais pas trop, du tout quoi prendre comme blush, et donc j'ai demandé à une vendeuse qui m'a maquillé avec celui-là. Donc c'est le 05 Sound Coral. Voilà. Donc il est de cette couleur. C'est absolument... j'ai bien fait de demander à une dame parce que je pense pas que j'aurais pris cette couleur. Enfin, du coup, donc je l'ai sur moi. Du coup, elle m'a mis une crème hydratante, de la poudre et ça. J'ai pris juste ça, mais voilà. Donc voilà la couleur. Je vous la remontre. Il est vraiment très beau. Enfin, en fait, comme ça, on se rend pas compte. Mais je trouve qu'il fait vraiment très beau sur moi. Donc voilà, c'est vraiment, enfin, les dessins sur le, sur la matière, c'est comme un jean en fait, c'est trop marrant. Donc voilà, donc il se présente dans cette boîte là. Ça n'a rien à voir avec les autres packaging tout noir et tout. Et ensuite, je vais vous présenter, même si c'est pas pour moi, mais je m'en servirai peut-être, enfin je sais pas. Donc c'est un autre rouge à lèvres. Donc c'est pas les mêmes, c'est pas la même gamme, donc ceux-là c'est les packaging tout noir comme ça. Donc c'est vraiment un rouge très très rouge. Donc je vais vous le swatcher. C'est ma mère qui l'a choisi. Et vraiment, donc j'ai passé juste un coup là. Il est vraiment très beau. Je vais vous swatcher l'autre parce que j'ai oublié. C'est pour ma mère le rouge.
Mais en fait, je crois qu'elle l'aime pas. Donc, en haut, c'est celui de ma mère. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est le numéro 909. Et dessous, c'est celui-là, le numéro 613. Voilà pour les produits Kiko. Donc, je vais vous dire les prix. Je trouve ma note. Donc, le vernis a coûté 3,90 €. Ce rouge à lèvres, donc le très rouge, a coûté aussi 3,90 €. Celui-là a coûté 6,90 € et le blush a coûté 12,90 €. Donc voilà. Ensuite, je suis allée à Emma. Donc, sur mon magasin, ils vendent de tout. Il y a de la nourriture, il y a vraiment tout là-bas. J'ai acheté deux pinceaux. Donc, un pinceau duophile comme ça. Il est vraiment trop doux. Donc, pour le blush, ça a biseauté. Il est vraiment très doux. Il est vraiment doux. Désolée, si vous entendez crier, c'est qu'il y a mes voisines. Il y a mes voisines qui ont invité des amis et qu'elles n'arrivent pas à crier. Donc voilà. Le deuxième, c'était donc ce pinceau. C'est un pinceau estompeur. Ça, c'est le 202. Voilà, comme ça. Donc voilà. Ils m'ont coûté. Celui-là m'a coûté 3 € et celui-là m'a coûté 4,75 €. Voilà. Ensuite, je suis allée à Auchan. Ensuite, je suis allée à Auchan et j'ai acheté 4 choses. Donc, côté vêtements, j'ai acheté une chemise comme ça. Voilà, toute blanche comme ça avec les coutures marron. Super jolie. Elle est assez transparente, comme vous pouvez peut-être le voir, je sais pas. Voilà, je trouve très jolie. Voilà, elle est assez simple mais vraiment très belle. Et ensuite j'ai acheté un maillot de bain. J'arrive à le prendre bien, il faut. Donc voilà le haut. Donc il a l'endroit. Donc voilà le haut. Donc il est rose et blanc avec des petites paillettes et un nœud au milieu. Voilà. Et le bas est comme ça. Donc à peu près pareil avec un nœud sur le côté. Voilà, je trouve vraiment très beau. Donc les prix, je sais pas où ils sont. Voilà. Donc le maillot de bain m'a coûté 12 €, donc ça va, franchement c'est pas cher. Et la chemise m'a coûté 14,99 €. Et ensuite, j'ai acheté deux autres produits pour les cheveux. Deux produits pour les cheveux. Donc déjà, ce produit-là. Donc c'est un protecteur de chaleur de chez... Ah. Un, deux. Donc c'est un protecteur de chaleur de chez Franck Provost. Qui se présente comme ça. Donc ça spray, je vais y toucher. Et dernière chose que j'ai acheté, un shampoing à sel du Baptiste. Franchement, je suis contente d'avoir acheté ça. J'ai pris l'original, ça sent trop bon. Donc voilà, je suis trop contente. Donc j'ai absolument rien testé parce que je rentre juste de où j'ai acheté. Mais voilà, ça a l'air tout trop bien. Je crois que mes articles préférés, c'est vraiment mon sweat, mon sweat, sweat, mon sweat. Il est trop beau. Je crois qu'en fait mon frère a le même son garçon, mais bon, c'est pas grave. Et le maillot de bain est franchement trop trop mignon, trop beau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est pas très long. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je vous invite à aller voir mon Twitter, mon Instagram, que je mettrai en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !